Good morning, à l'aïdan, je suis aujourd'hui le Nishmat François Ben Chana, j'ai une rue de Fortuna, Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Shaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Pea, Perek Aleph Mishnah Vav, Le Olam Hu Noten Mishum Pea, ou Patur Minama Asrot Ad Sheimrach, Ve Noten Mishum Hefker, ou Patur Minama Asrot Ad Sheimrach, ou Machil La Behema Ve La Chaya Ve La Ofot, ou Patur Minama Asrot Ad Sheimrach, ונותן מן הגורן וזורה ופטור מן המעשרות עד שימרח דברי רבי עקיבא. כהן ולוי שלקחו מן את הגורן, המעשרות שלהם עד שימרח. סיזיים דין המקדיש ופודה חייו במעשרות עד שימרח הגזבר. Une משנה qui va compléter une introduction qu'on avait dit dans la משנה דלת, que maintenant on va mettre le focus dessus et voir toutes les conséquences de cette halakha, à savoir le principe. Lorsque j'ai un champ, j'ai récolté 100 kg de blé. Dans ces 100 kg de blé, j'ai des dettes, je vais avoir des taxes à donner aux Cohen, aux Lévi, aux pauvres, ou à Monta Yerushalayim selon les années, pour Magdola, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou Maaser Ani. Du Maaser Rishon, il y a le Maaser, Maaser Mina Maaser, la Tourmat Maaser. Il y a des taxes à donner. Un cinquantième, puis après un dixième de ce qui reste, puis après un dixième de ce qui reste, on va tomber avec l'équivalent de près de 20 kilos, un petit peu moins. Parce qu'on a 82 kilos et quelques sur de la récolte sur les 100%, on aura donné l'équivalent à peu près de 18% plus ou moins. D'accord? Ça, c'est les dettes à donner. Maintenant, on s'intéresse à savoir à partir de quel moment je suis imposé de prélever toutes ces taxes à donner aux Cohen, aux Lévi et à porter à Yerushalayim. Alors, c'est Hatshimrach, le fameux mot redondant qu'on a vu dans la Mishnah, Hatshimrach, jusqu'à qu'on va faire le miroir, qu'on va bien aplanir les grains. Soit, j'explique d'abord le principe, je suis imposé de donner toutes ces taxes de Touma et de Maaser, qu'à partir du moment où j'ai fini de préparer la récolte, de la travailler, de faire qu'elle soit apte maintenant à être engrangée. C'est quand exactement qu'on engrange? Vous savez que lorsqu'on prend du blé, une fois qu'on a cueilli le blé, il va falloir le battre, il va falloir trier une partie, semer, ça veut dire semer, c'est le zria, ce qu'on appelle être zoré, ouais, pour pouvoir séparer les grains de blé, après on récupère les grains de blé, puis jusqu'à la fin on a récupéré un peu les grains de blé, on va en faire un tas, on va aplanir proprement, et quand on va aplanir proprement, ça s'appelle le miroir, on va être mémaréach, on va l'aplanir, et de ce moment-là, maintenant, on a un blé qui est apte à être pris et à être engrangé. Depuis ce moment-là, ce blé devient imposable de Tourmot ou Maasot. Donc s'il devient imposable de Tourmot ou Maasot, ça signifie que tout ce que je vais vouloir faire de ce tas de blé, eh bien, je ne pourrais pas en dispenser des taxes de payer au Kohanim. Par exemple, on va prendre le cas qu'on avait justement introduit dans le Mishnah Dalet, c'est que si je vais être, j'abandonne mon blé pour le donner à qui le veut. Je me défais de toute propriété de lui. Je suis mafkiroto. Je vais être mafkiroto. Si je vais rendre Efker avant que je fasse le miroir, celui qui va venir saisir ce blé, il ne sera pas imposé de donner les tourments de Maasrot. Alors que si jamais j'ai déjà fait le miroir, donc je suis déjà imposable de tourments de Maasrot, si je vais être mafkir ce blé, et bien celui qui va venir le prendre, il devra quand même donner la tourma et le maaser à qui de droit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le blé a été imposé, le blé ou toutes céréales, d'accord, a été imposé de prélever ses dettes, je ne peux plus les dispenser de leur devoir d'aucune manière. À la différence du cas où j'ai été mafkir, par exemple, mon blé, avant de le finir de le préparer, comme on avait expliqué, que dans ce cas-là, au bas, Lévi, il viendra le Lévi que tu dois donner, à qui tu dois donner? À un Lévi, parce que toi, tu as eu un champ, quand on a reçu la terre d'Israël, et le Lévi, il n'a pas eu de parcelle en Eretz Israël. Donc du coup, tu dois donner ce que toi tu as récolté pour toi, tu donnais ta part au Lévi et au Cohen. En l'occurrence, une récolte qui est apte à être acquise par n'importe quel Cohen et Lévi parce qu'elle est FKR, donc elle n'est plus imposée de Tourmot ou Maasrot. Mais si toutefois,
on a été mafkir, on s'est dispensé de la responsabilité, de la propriété, du blé, après qu'il ait été imposé des taxes, on ne peut plus le défaire de ses dettes. Soit vous avez eu votre tas de blé, vous avez fait le miroir, vous l'avez bien étalé, je vais maintenant moi venir être Zoché Mine Efker, je devrais moi donner les trois mots de Masrot au Kohanim, parce que maintenant, d'accord? Du coup, on va voir dans une Mishnah toute une série de halakhot qui va dépendre de ce miroir. Peut-être j'en introduis quelques-uns pour vous familiariser plus facilement, comme ça on pourra lire la Mishnah tout d'un trait, Bezrat Hashem. Encore une autre halakha. Vous savez que pendant que je suis encore en train de cueillir des fruits, j'ai le droit d'en manger sans près de tout Masrot. Tant que je ne les ai pas encore, ils ne sont pas encore prêts à être rentrés chez moi. J'ai le droit de manger des fruits sans prélever les tomates ou Masrot. Pourquoi? Pour le moment, ils ne sont pas encore imposables. Dès qu'ils sont devenus imposables, j'ai plus le droit de manger, je dois prélever. Idem, si je veux prendre maintenant tout ce blé et le donner à manger à mon animal, à ma vache, j'ai le droit de lui donner tant que ça peut être imposable de tomates ou Masrot. Dès que c'est devenu imposable de tomates ou Masrot, je dois d'abord prélever la part des Cohen et Lévi et ma sœur Chéni, et seulement après, je pourrai donner à manger aux animaux. Idem, si je veux, par exemple, semer ce blé. Si je prends ce blé, alors ça va être une discussion, mais dans la vie qu'on va avoir dans la Mishnah, c'est Rabbi Akiva qui va me dire, eh bien, ce blé, tant que tu ne l'as pas encore, tu n'as pas encore fait le miroir, tu peux le semer sans prélever. Mais dès que tu as fait le miroir, tu es obligé de donner les tomates Masrot avant de semer ce blé. Et ainsi de suite, on va le voir encore sous plusieurs aspects, vous avez compris l'idée, donc on peut commencer à traduire directement. Le'olam u'noten mishum pe'ah u'patur min ha'masrot ad she'imrach. On avait appris que tu peux rajouter de la trauma, la PA. La PA, tu n'es pas obligé de donner qu'un 60e. Tu peux en donner même plus. On avait vu les filles à Nava, les filles Rova à Nîmes. On avait plusieurs circonstances où si tu veux, tu peux donner une PA plus qu'un 60e. Tu peux donner même un 30e, un 20e de ta récolte. Eh bien, ce que tu donneras, ce sera dispensé de ton motuma asrot tant que tu n'as pas fait le miroir. Mais dès que tu as fait le miroir, c'est fini. Tu ne pourras pas donner à la PA, que si tu prélèves d'abord les tomates ou Masrot. Et après seulement tu pourras donner encore plus aux pauvres. Venoten, Mishum, Hefker, ou Patur Mina Masrot, Tachimrach. De même aussi, ce qu'on a dit à l'oral, si tu veux te dispenser de la propriété, tu veux être mafkir, ce blé, avant le miroir, eh bien ce ne sera pas imposable de tomates ou Masrot. Mais si tu le fais, tu as déjà fait le miroir, tu as déjà tout étalé, tout aplani, ton blé, eh bien d'abord tu prélèves les tomates ou Masrot, avant d'être mafkir, et sinon, si tu es mafkir, ben celui qui viendra acquérir, il devra lui donner les tomates ou maasrot. Encore, ou ma'achil la behema velachaya velaofot, ou patur mina maasrot. Tu pourras aussi donner à manger à ta behema, à ton animal, ta chaya, ton animal sauvage, ou bien même à ofot, ou bien à tes oiseaux, et tu seras, ou patur mina maasrot, tu seras dispensé de donner les tomates ou maasrot, à cheimrach. Tant que tu n'as pas encore aplani la surface, tu n'as pas encore récolté, tu n'as pas encore fini le travail de ton blé. Il reste encore du travail à le faire pour maintenant être prêt à le faire entrer dans la grange. Par contre, si tu as déjà fait le miroir, alors de nouveau, on retombe dans le problème, que tu ne pourras pas le donner tu ne pourras pas donner à manger à tes animaux que si, auparavant, tu as prélevé les tourmois ou masrot. Encore, venotel minagoren, vezorea ou patur mina masrot. De même, Hachimrach, si tu veux être Zorea, tu veux semer ce blé, tu veux le planter le blé, eh bien, tu seras dispensé des tomates ou maasrot, Hachimrach, jusqu'à que tu vas l'étaler, planir le blé. Par contre, dès que tu as fini maintenant, tu as préparé ton blé, qu'il est apte à être entré en grange, eh bien, dans ce cas-là, tu ne pourras plus le semer, le cultiver, que si tu prélèves auparavant les tourmots ou maasrot, et sur ça, la lacha n'est pas établie comme Rabbi Akiva. D'accord? Ensuite, et Kohen ve'Lévi, maintenant, autre lacha. Kohen ve'Lévi, chez la croix tagoren, à maasrot, chez la peut-être qu'il faut d'abord une première introduction de base avant de comprendre le cas particulier de notre Mishnah. Un Kohen et un Lévi qui va acheter du blé dans une grange. Imaginez, moi j'ai fini de préparer mon blé, il est à tête en granger, et finalement j'ai envie de tout vendre. Je cherche un acheteur pour acheter tout ce blé. L'acheteur, bien sûr, devra lui prélever les tourmottes et les maasrot à son tour pour les donner, puisque moi j'ai déjà fini le miroir chez moi.
Ce qui se passe, c'est que celui qui vient acheter, c'est un Cohen, ou bien c'est un Lévi. Le Lévi, lui, il va quand même venir acheter, il a tout intérêt à acheter, parce qu'en fait, il va gagner combien il va gagner? Il va gagner un dixième du prix, c'est comme si je lui fais une réduction d'un dixième. Parce qu'imaginez que, moi, le maaser, quoi qu'il arrive, je peux le donner à personne d'autre. Je ne peux pas le consommer, je ne peux pas le vendre, je peux le donner au Lévi. Lui, il vient m'acheter, donc concrètement, ce que j'ai à vendre dans mon blé, c'est que 90% du prix. Je ne pourrais pas vendre les 10% supplémentaires. Que le 90%, ça veut dire personne ne va accepter d'acheter. Maintenant, imaginez, il y a un Lévi qui va venir et dire, ah, moi, je suis intéressé à acheter à ce prix, au prix des 90%, puisque comme ça, je vais gagner le dixième supplémentaire. En théorie, il aurait le droit, Rami m'a interdit au Lévi de procéder ainsi, parce que sinon, on va se retrouver avec trop de marché noir des récoltes de blé pour les Lévim et pour les Kohanim. On n'a pas envie de transférer. Et il y a un issour spécialement pour les Kohanim de venir détourner les fonds tout simplement qui auraient dans les Lévim. On veut donner à tout le monde de manière équitable. Et du coup, si jamais un Lévi n'a pas le droit de faire une action qui va favoriser, on va lui donner à lui plus qu'à un autre, il faut qu'on puisse donner à tout le monde. D'accord? C'est le principe général. Il y a plusieurs décrets qui ont été faits dans ce sens-là. En l'occurrence, si jamais maintenant le Lévi, moi j'ai fini d'engranger mon blé, et je cherche à le vendre, il va y avoir un Lévi qui va venir, qui va dire, moi je t'achète le blé, mais à condition que je lui donne aussi le maaser que j'ai déjà. Alors en théorie, il peut acheter tout, et il reçoit le maaser directement de s'acquitter. Chachamim ont décrété que non. Si tu prends toi le Lévi, tu vas acheter une récolte, après que tu as fait le miroir, tu devras donner le maaser à quelqu'un d'autre. Comme ça tu ne vas pas te mettre maintenant à partir à acheter trop facilement les récoltes de tout le monde en obtenant des bonnes réductions, et tu vas bloquer les dons qu'on devait faire au Lévi. Ok? Ce que Michel m'a dit, Cohen ve Lévi chez la Krominet à Goren. Un Cohen et un Lévi qui ont acheté une grange, c'est-à-dire ont acheté du blé qui était déjà engrangé, à Maasrot chez Lahem. Les Maasrot pourront leur appartenir à Timrach, que s'ils achètent avant qu'on ait fait le miroir. Mais donc on a fini le miroir, on a déjà préparé maintenant, on a étalé, on a aplani la surface du blé. Donc c'est le dernier travail à faire sur le blé, une fois qu'on a tout fini de bien récupérer un blé propre, on entasse. Là, si tu l'achètes, tu devras donner nécessairement les trombes de maasrot à quelqu'un d'autre. Et dernier cas, à Magdish ou Podé, Chayav ve maasrot à Chimra Hagizba. À la fin très particulière, on le verra plus longuement dans la Seret Chala, à savoir, la Torah, elle a dit que toi, Israël, tu dois donner les trombes de maasrot au Kohen et Lévi. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si toutefois, le Gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, quelqu'un a sanctifié toute sa production de blé à le donner au Beth Amikdash. Moi, je suis maintenant le trésorier du Beth Amikdash, je reçois tout ce blé à l'état brut. Je vais maintenant travailler ce blé, le trier, le préparer. Une fois que j'ai fini de le préparer, eh bien, dès lors, en théorie, je deviens imposable de Trumato Masrot seulement. Il n'est pas dans une propriété d'un particulier, il est dans la propriété du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est dispensé de donner les trombes de Maasrot, en l'occurrence. Lorsque le blé devrait être imposable, il est dispensé parce qu'il appartient au Hekdesh, parce qu'il est dans les mains du Gizbar, du trésorier du Beth Amikdash, il est dispensé. Et du coup, si le Gizbar il a fini de travailler le blé, de bien l'aplanir, eh bien, si ensuite il va vendre le blé à Israël, il va venir le racheter et racheter la gusha des fruits, l'Israël sera dispensé de donner les trombes aux Maasrot. Par contre, si toutefois le Gizbar, il achète et il revend tout de suite, l'Israël qui devra acheter, lorsqu'il finira d'achever le blé, de le préparer, il devra donner les trombes aux Maasrot. Ce que la Mishnah m'a dit, à Magdish ou Bodé, celui qui sanctifie et rachète ensuite le blé. Chayav be Maasrot, le blé est imposable de Maasrot, Hachimracha Gizbar, jusqu'à que le Gizbar. Le trésorier Béninage, c'est lui qui a fait le travail d'aplanir le blé, de finir de le préparer à le mettre en grange. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sera.